faut allier la poste administrative, la poste sécuritaire, la poste judiciaire. Mais il faut aussi ajouter la poste communautaire. Et dans chaque zone, dites accidentogène, qu'il y ait au moins l'implication des bagnoles de gore, des chefs de village, des délégués de quartier et même des comités de veille et d'alerte. Comme la cause principale de l'accident routier aussi, à 90% c'est la cause humaine, mais donc travaillons sur l'humain, tout simplement. Au-delà des mesures judiciaires, c'est un peu aussi de communiquer, de sensibiliser aussi et de former. Voilà un peu la mission que nous avons de manière générale pour un peu lutter vraiment contre les accidents routiers. Insérer la sécurité routière à l'école primaire pour permettre quand même aux enfants de maîtriser d'abord, de savoir la signification des panneaux, ce qu'il faut faire, passage piéton, ainsi de suite. Donc je crois que ça va participer à la sensibilisation. L'éducation, à la base, il n'y a rien de tel, surtout en ce qui concerne la sécurité routière. Inculquer dès le bas âge des comportements corrects sur la voie publique. Parce qu'ils pouvaient être piétons, mais ils pouvaient être également conducteurs. Il ne suffit pas de connaître le code de la route, mais il suffit de le respecter. Nous allons pouvoir véritablement, sur cette question précise, faire donc une avancée, pouvoir généraliser cette éducation de la sécurité routière à l'école qui est indispensable, indispensable. C'est une activité de grande envergure qui voit aujourd'hui la présence des femmes, des jeunes, des personnes vivant avec un handicap, des formés, des non formés. Et c'est un moment de partage d'informations. Mais ça nous rassure, ça nous réconforte et c'est vraiment une solution pour tous. Donc une paix universelle et durable ne peut être fondée que sur la base d'une justice sociale. Et tout un chacun a pu prendre la parole vraiment pour montrer les solutions qu'il faut pour que cette paix universelle et durable puisse être concrétisée. Les populations doivent être totalement intégrées dans tout dispositif sécuritaire parce qu'elles sont certes les bénéficiaires, mais il faut les prendre parmi les acteurs de sécurité. Et cette approche, je pense que nous aidera énormément. Donc, c'est le lieu de saluer les actions menées par l'ONG Partner qui nous aident à communiquer. Et il faut reconnaître que ce déficit en communication est en train de s'améliorer. Nous sommes en train de combler le gap en termes de communication. Je pense que c'est l'intérêt que ce projet a suscité, aussi bien au sein des autorités étatiques, de la population, que des forces de défense et de sécurité, qui est à saluer, donc qui permettra d'améliorer la perception, mais également une application stricte des lois, puisque les populations y adhèrent également. Alors bien entendu, vous savez très bien que la relation entre les forces de défense et la sécurité avec la population ne s'est pas forcément améliorée pendant les années précédentes. Mais depuis l'arrivée de l'ONG Partner West Africa Sénégal, nous avons pu, à travers des activités, les rassembler, les réunir afin de parler sur des thématiques sur la sécurité routière, mais aussi qu'ils comprennent le rôle des forces de défense et de sécurité, qu'ils aient le courage plutôt de venir s'adresser aux forces de défense et de sécurité afin de comprendre en tout cas leur rôle sur le terrain.